Thank you.
Donc, je constate que vous êtes tous là. Je fais rapide pour l'horizon, alors on va commencer. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais hier, on avait commencé à parler des subordonnés. Parce que vous vous souvenez que c'est quand même quelque chose qui vous pose vraiment problème dans les dans vos produits en crypte, dans les idées qu'on fait. Oui, merci Marie de montrer ta copie à l'écran, là, je l'ai vu ça. Je m'excuse, il y a quelque chose qui. Annie, je m'excuse, ta serviette sur ta tête, je suis pas sûre que tu entends vraiment bien ce que je dis avec une serviette sur la tête, ça serait peut-être mieux que tu peux l'enlever. J'aurais monté le volume, mais je peux l'enlever, c'est correct, ça ne me dérange pas. Ouais, ça serait peut-être mieux, hein, s'il te plaît. C'est gentil, merci. Donc, comme je disais, dans le fond, les subordonnées, c'est souvent une source de problème. Donc, on avait vraiment décidé de mettre l'accent là-dessus. Alors, je vais juste y aller avec un rapide tour d'horizon pour savoir si vous avez vraiment compris là, ce dont on a parlé dans le cours d'hier. Je m'excuse. Je m'excuse, mais t'arrêtes pas depuis le début. Là, tu promènes vraiment partout. Ça devient intéressant. Ouais, parce que. Ouais, ça sera pas long. C'est pas moi qui vais m'en regarder clairement. Hasard!
Véronique, je vois juste ta porte. Est-ce que tu sens que ça serait possible de reparler un peu parce que on va te voir en entier? C'est ça qui est demandé dans les règlements d'école. Merci, Véronique. C'est bon? OK. Bon, alors, là où j'en étais, c'est que je suis en train de vous expliquer. Oui, Marie-Mille, t'as encore la même idée, vas-y donc. Je vais juste vous prévenir, madame, excusez-moi, j'ai échappé mon souvenir au sol, et je vais quitter momentanément l'écran pour le rendez-vous. Oui, merci. Merci. Bon, je parlais donc des subordonnés, puis de ce qu'on avait fait au dernier cours. Puis, Manon, es-tu vraiment en train de dormir? Oui. Y'a-tu quelqu'un qui peut être ici et me dire que le cours est commencé? Manon! Pascal! Qu'est-ce que tu fais? Mais, es-tu vraiment en train de te cuisiner quelque chose en ce moment? C'est pas un cours de cuisine, là? On a fait de l'éduc à midi pour faire 10 kilomètres, là. Elle est pas le temps de manger, je m'excuse. OK, ben écoute, je t'aurais été peut-être un petit peu plus discret parce que là, on le voit vagabonder dans ta cuisine, on sait ce que tu manges, on l'entend aussi, hein, fait que... OK, pardon, mon micro. Faisons ça, Pascal, s'il te plaît. Ouais, OK, merci. Annick, je ne suis pas sûre que tu m'entends, là, tu as d'autres écouteurs, je pense. Qu'est-ce que tu fais, Annick? Annick, es-tu en train de me parler? Je vois que tu parles à quelqu'un. Annick, est-ce que tu m'écoutes? Bon, Annick, clairement, là, on a un problème, là. Bon. Sarah, je m'excuse, mais la position couchée ne fait pas non plus partie des positions favorables à l'apprentissage. J'aimerais ça que tu te redresses, s'il te plaît. Excusez, madame, mais c'est parce que ma mère m'a réveillée comme 2 minutes avant le cours. Là, j'ai juste le temps de prendre mon iPad qui était branché. Je ne peux pas vraiment bouger parce que sinon, on va perdre la connexion. Il faut que je reste là. Si je me lève, je ne peux pas être dans les cours. Et puis, c'est pour ça que j'aime mieux vous écouter un peu plus. Même si je suis fatiguée et que c'est difficile, là, je vais essayer. T'es couché, mais t'es là. Là, je suis là. J'écoute. Fred, j'ai envie de te dire que mon Zoom n'est pas un miroir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend, mais on peut pas juste entendre, on peut très bien depuis le début. Là. Ah, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Là. C'est presque fini. Non, ça devait être fini avant le cours, tu comprends? Ben, j'écoute. Oui, mais je veux dire, il faut quand même que tu sois dans une posture d'apprenant, puis toi, en train de te maquiller, je suis pas sûre que tu sois vraiment dans une posture d'apprenant. Je suis assise, je suis pas grave. Et avec tout ça, là, je me rends compte que j'ai même pas réussi à aborder les subordonnés. J'ai juste mentionné ce concept-là depuis le début que je passe mon temps. Vous avez compris, Nathalie, ça n'a juste pas de bon sens. OK, merci Nat, on va s'en parler de ça parce que c'est pas... Annie, sérieux, le sèche-toi. Tu m'entendais pas tantôt avec ta serviette sur la tête, je doute que ce soit vraiment mieux avec le sèche-toi. Annie. Vous me parliez, madame? Je suis désolée, là. Tu l'as oublié? Non! C'est pas le devoir, là, je l'ai oublié, le blâme dans le classement. On s'en souvient de ça, non, je écoutez, je pense qu'en fait, ce qui serait préférable, mais là, je regarde là et je constate que finalement, en fait, ce que je voulais vous dire,
c'est que il est vraiment important que vous restiez jusqu'à la fin du Zoom. Là. C'est presque terminé le cours. Là. Donc, quittez-vous tout de suite, s'il vous plaît. J'ai juste quelques petits... J'ai juste quelques petits trucs à vous dire avant de vous dire. Bye! Non, mais... Hey, Yolanda! Bonne journée, madame! Non, mais laissez-moi parler, en fait, ce que je vous dis, c'est super important. Et pas le Zoom tout de suite, là. Pour vous rester connectés. Bon. Voyons. Madame, ça compte-tu, ça, ce qu'on a vu aujourd'hui? Personne pour rentrer. Mais là, c'est court, mais dans 15 minutes, là...
Mais là, qu'est-ce que t'attends? Gros, il prend tes affaires! Ça fait déjà des affaires! Voyons, t'es à ma cause depuis que t'es arrivé, il y a 20 minutes. Ben, les gens m'ont pas dit, je connais pas, là, j'avais pas le goût de les tourner. Oh, gros, là, en vrai, ils vont pas être en retard! Charles Desnoyers et Diego Munoz vous présentent l'un de leurs compositions, Pozole. Thank you.
interprète dans Set Fire to the Rain, voici Juliane Gobet, accompagnée d'Herve Boulay.
Look.
le moment, là. Je t'ai prévu depuis longtemps, en plus. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est qui va s'en occuper, là? Moi? Mais là, voyons, je te demandais jamais ça. Moi et Rosemary, on s'est arrangé, là, on va s'en occuper ensemble. Pourquoi Rosemary? T'as pas un choc, toi? Tu l'as trompé. Ça semblait aussi que ça faisait un bout que j'avais pas vu. Mais non, maman, pour qui tu me prends? Je l'ai pas trompé. Juste que c'est normal de faire certaines choses avec ses amis. Donc t'avais son chum. Pour ça? Regarde, Marianne, je vois pas que ça a l'air de te rendre heureuse, là. Mais pensez comme du monde, là. C'est qui va s'en occuper quand tu vas être partie au cégep? Puis Rosemary aussi? Et là, c'est pas la fin du monde, là. Je peux le laisser tout seul le jour, là. Faut pas capoter non plus, là. Hein? Mais quoi? Mais c'est un bébé tout seul le jour? Un bébé? De quoi tu parles? Maman, je suis pas enceinte! Thank you.
t'arrives là, découche là. Comment? Mais quoi comment? C'est pas comment on découche une toilette? Ouais, mais j'ai rien pour la nourriture. On n'a pas de siphon? Je t'avais dit d'en acheter un, là. Je sur ta liste, ta responsabilité. Mais je me suis dit que j'allais me sauver l'argent, là. J'ai juste pris la brosse. Ben, bravo! Tu vas devoir la déboucher avec tes mains maintenant. Arc, je fais pas ça. Non. Mais dans ce cas-là, va en acheter un, parce que pas moi je vais payer pour ça 5 points. Ok, je m'excuse, là. On a-tu besoin d'autre chose? Ben, ça te fait bien d'acheter un gros micro-ondes. Comment ça? Pas pas bien? Oh non, je le savais prendre le point, j'achetais pas une bonne idée. Mais on peut sûrement le réparer, non? Parce que j'ai fait exploser hier. Comment t'as fait ça? Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est parce qu'en fait, j'ai comme laissé la cuillère par le bas dans le commentaire. Oui. Tu pensais que c'était quoi la plus intelligente de nous deux? Depuis quand tu sais pas qu'une cuillère, ça va pas dans un micro-ondes? Après, tu me chiales après pour un siphon, hein? Bon, envoyez le dans tes fesses. Pendant l'entracte de 10 minutes, on va aller magasiner, on va séparer les prix équitablement. On va payer le siphon, tu paieras le micro-ondes. Dans Bella Job, voici le band Liberta. Thank you.
Thank you.
remercier Marcel, Clarisse Coupe et Rosemary Roy. Thank you.
déjà pris haut. Ça va tellement faire du bien. Les choses vont tellement être différentes. Bon, ben, super contente d'être là en présence. Alors, on va commencer le cours dans quelques minutes. Je vais juste prendre les présents. Alors, Marie-Mé, tu es présente. Nathalie? Mario? Mario? Mario, est-ce que tu m'entends? Ah, pas là. Tu vas le texter. Non! Le temps de le texter, il est juste en arrière de toi! Oh! Yo, je suis là! Oh oui, je suis là! Mario, ton cellulaire! Ça sera pas long, là! Je termine ça, là! Ça sera pas long, mais. Maintenant! Suite! Ok! Bon! Richard, c'est beau, on peut plus. Frédéric, là! Passe! Calme! Excusez, madame, j'avais du basket, du hockey comme ça, puis du volleyball à midi. C'est correct si je mange un peu? Ben, on s'entend, là. Une fois, Je suis les cheveux en classe.
ça, c'était une fois pas de bon sens. Yes, the boy.
personne trouvait des ténèbres devant moi. Puis ta main était douce un peu comme ta soie. On a commencé à marcher sans parler. Toujours avec nos deux mains accolées. Mon cœur n'avait jamais battu au grand fort. Mais comme quoi pour moi c'est la victoire. Et le pire c'est qu'à bien on s'est jamais parlé. J'ai plus vu quand tu t'es déménagé. Everywhere, everybody's busy trying to
go at the end of dark tonight. Tell me this ain't living, gotta just slow it down. Feel the music that's playing, life's too fast. There's a beach for that. Slush and snow in the sky on every morning, gotta layer up. Storm comes with a warning, need the sheet of snow. There's a car to be uncovered, just a flight away. There's a breaking wave, cause there's a beach for that, and a drink to go with it in a coconut. Tell me this ain't living, gotta slow it down. Feel the music that's playing, life's too fast. There's a beach for that. And a drink to go with it in a coconut. Tell me this ain't living, gotta slow it down. Feel the music that's playing, life's too fast. Cause there's a beach for that, and a boat out on the water with the endless sky. Hues of every color slipping in and out of a slow relaxing coma, but life's too fast and about to crash. Well, it's a well-known fact, there's a beach for that. Léon, tu te trouves
Moi, ma bio! Ah ouais? Léandre, comment tu sais ça? Tu sais que t'as entendu d'autres? Je sais pas, là, mais. Mais ton bain, ton esclave, en tout cas. Mais là, Kevin, Léandre, ça te confirme même pas, là? Oh! Rick Dine, cet artiste vous présentera son instrument. Accueillez Rosemary Pelletier. Allô! Mon numéro aujourd'hui a été inspiré par un artiste que j'ai vu au festival. Il s'appelait Le Panda. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un looper que j'ai à faire aujourd'hui. Et il faisait des loops. Ça, c'est des enregistrements d'instruments ou de chants. Thank you.
Ben, parce que moi, je sais comment déboucher une toilette. Ouais, mais toi, tu fais exploser des micro-ondes, par contre. Toujours utile, hein? Ouais, ben au moins, moi, je pleure pas pour un gars qui conduit une auto civique modifiée, puis avec qui j'ai sorti dans la tête de moi. OK, mais moi, au moins, là... OK, c'est beau, là, je pense qu'on comprend le concept. J'avais pas fini? OK, mais le spectacle, il est fini, là. Fait qu'on peut revenir à ça si ça te dérange pas, là. Oh, c'est bon, là, t'as raison, je m'excuse. Tu viens dessus parfois, là? Mais non, je te laisse. Nos artistes en sont bien sortis, non? Hey, moi, je trouve que c'est pas mal mieux bien s'en sortir. Ils nous ont offert des performances époustouflantes. Époustouflantes, c'est le cas de dire. Bravo à tous les élèves qui ont travaillé super fort pour nous préparer ce merveilleux spectacle. Ça paraissait peut-être pas, mais il y en a beaucoup pour qui c'était la première fois sur scène. C'est bien le public. Et merci à vous, cher public, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et si c'était votre première fois, on espère que ce ne sera pas la dernière. Et vous nous ferez à nouveau l'honneur de votre présence parmi nous. Oui, oui, c'est grâce à vous que cette soirée-là était possible. Sur ce, on vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Je vais faire un petit merci à vous tous de vous être déplacés pour encourager nos chers artistes. Je vous invite à monter sur scène pour vous saluer une dernière fois avant de tous repartir à nos artistes.